Salut à tous, allez, on se retrouve pour probablement la dernière partie de Dead Space. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo parce que il me semble que le boss. Il me semble que ce passage est un petit peu long, donc la vidéo durera le temps qu'elle durera. Hein. Et puis on verra bien. Allez, putain, il est où son loot déjà? Alors. Ok. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Chargeur inactif. Il va y avoir un problème là-bas. D'accord. En fait, c'est moi qui ai eu un problème de compréhension. Là, il y a une caisse. J'ai ramassé un peu tout ce qu'il y a parce que il me semble que ça va être super chaud. Je me souviens plus trop de la fin. Je me souviens le monstre comment il est, enfin le boss final, mais comment ça se déroule exactement, je me souviens plus. Un trou de mémoire. Allez hop, c'est fait. Oh. Le joli caillou. Alors qu'est-ce que je vais faire après Dead Space? Ben rien. C'est vrai, je vais rien faire, hein. Je sais pas, une blague ou quoi que ce soit, je ne vais pas commencer d'autres walkthroughs pour l'instant. Je vais me concentrer sur finir tout ce que j'ai commencé, donc Dead Space, donc là je vais le finir. Donc après ainsi que je vais me concentrer sur I Am Alive et qu'est-ce qu'il y avait aussi, Borderlands. Borderlands ça va se faire quand même temps parce que c'est un gros jeu qui met du temps à finir. Je vais faire quelque chose d'autre par la suite. Ok, il doit y avoir un problème, ouais, peut-être par là. Alors. Oh, bonjour messieurs. Isaac, le monolithe doit retourner dans la chambre du piédestal. Ah, lui il est en vie, il respire. Donc ça, je vais les tuer, enfin les démembrer, parce que sinon, ça va me casser les couilles, hein. Il va me les faire apparaître. Voilà. Il t'a gaspillé des munitions, hein, je m'en fous. Hein. Quand il s'agit de ma survie, on bat les couilles. Je fais des hommes trop. Hop, hop, voilà, normalement c'est bon. Ah, donc là nous avons un plan, et il n'y a pas un stock quelque part par là. Ah bah il est là, je suis con. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a toujours pas de tenue. Tenue niveau 5. J'ai laquelle moi? Je peux pas savoir. Les kits de soins, je vais les garder. Alors, oula, ça je vais le vendre. Ouh. Recharge moyenne, c'est quoi? C'est de l'air. De l'air, on n'aura pas besoin. Énergie plasma, ok, balle d'assaut, on s'en fout. Alors pour ceux, parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a déjà qui m'ont posé la question, pourquoi que je n'achète pas d'autres armes? C'est parce que j'ai déjà dit au tout début des vidéos, hein, c'est pour finir le jeu avec bah, juste le cutter plasma, car il y a un succès à faire, c'est finir le jeu avec cette arme là. Et donc c'est largement faisable puisqu'elle est améliorée à fond, donc après le seul problème, comme d'habitude, c'est les munitions. J'ai acheté ce qu'il faut. 25, 25. Ouais. Ok. C'est bizarre que j'ai pas de nouvelle tenue pour la fin. Ça me paraît étrange. Bon. On va l'ouvrir. Ouvre. Ah bon. Comment. Alors je sais même plus comment. Voilà. J'ai plus la touche. Voilà, déjà un en moins. Ah, je crois qu'il en a. Il en a formaté, hein. Il va sortir par là. Ouh putain! Ça m'a fait peur, l'enculé! Petit cri de pucelle, désolé, il m'a vraiment surpris. Je vais pas rater. Je l'ai pas vu sortir.
Salopio, va, il m'a foutu. Il ne se fait peur. Oh ouais. Des crédits. Des crédits. Et encore de la thune. Tout ça, je le prends. Par hasard. Hop, voilà, bah, là-bas. Y'a rien d'autre. Bah bon. Ok, voilà. Y'a quoi par ici? Bon bah il y avait juste des items à ramasser. Je vais revendre ça. Oula, j'ai plus de stase. Faut que j'achète de la stase. Tiens, c'est que je pense jamais en acheter. Ouais. Alors, c'est que c'est une petite de soins. Stalls. Voilà, stalls. Voilà, je vais en acheter 3. J'ai de la thune, hein, de toute façon, je peux me permettre. Hop, on va se recharger ça tout de suite. Oula, qu'est-ce que c'est? J'ai un truc. Oh, c'est bien caché celui-là. Oh, un bouquin de cul. Avec une bouteille de bière à côté. Normal. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer? J'ai vu que j'avais un point. Donc, le cutter, il a amélioré à fond. Ça, c'est bon. Je crois qu'on était juste à la stase. Hein. Ah putain, il manque plus beaucoup de fichiers. Bon bah voilà. Voilà. Bon allez, je sauvegarde. Comme ça au moins on est tranquille. Hop, épisode 12. Batterie, il y a la batterie. Oh, t'es pas beau toi. Oh non, c'est eux là, les Enderman. Hop là. Encore un autre là-bas. Ah, petit enculé. Énergie PK. Bon, y'a rien là-dedans. Voilà. De quel côté je vais passer? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, peu importe du côté où je vais, c'est pareil. Allez. Et ah, peut-être que j'aille là. Contrôle volé HS. D'accord. Ah, là-bas il y a un truc que j'ai pas ramassé. Voilà. Ok, commande contrôle volé HS. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah oui, mais je peux pas y aller.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, je sais pas, tout à l'heure il voulait pas avancer, c'est bizarre. Voilà. Se ferme et l'autre s'ouvre. C'est un sas. Ouh, y a plein de trucs à ramasser. À mon avis, il va y avoir du monstre. Ça va sentir la merde. Oula. Comme de par hasard, il y avait un truc de stase ici, je sais même pas pourquoi j'en ai acheté en fait. Ah, il faut lever le pont. D'abord, je vais regarder un peu. Ouais, ok. Force initialisée. Forme de vie inconnue détectée. Non. Équipe de sécurité. Ah. Qui c'est? Oula! Voilà. Vilain bébé! Oula, merde! Ah! Dégage! Dans ta crèche. Oh mais putain, mais lâchez-moi, mon dieu. Mon dieu de dieu. Putain, allez, crève, crève. C'est pas vrai. Ah non, c'est... Voilà. On va voir qui c'est qui commande ici. Hop hop hop, voilà. Oh putain, il y a encore les autres. Voilà. Putain, mais ça n'arrête pas. Ok, bon, ça a l'air d'être bon. Enfin, pas tellement parce que la quarantaine n'est toujours pas relevée. Bon, ramassons ce qu'il y a. Ok. Alors désolé, hein, je réfléchis un peu. Là-bas, il y a un truc qui brille très très fort. Je sais pas ce que c'est, mais ouh, ça vous le... Ça va le coup, c'est un truc de bille. Chier. Culé. Et sois tranquille. Voilà. Oh, ça recommence, il y en a encore. Oh, fais chier. Putain, mais ils sont chiants, ces nourrissons, là.
Enfin non, c'est pas vraiment des nourrissons, parce que dans le 2, il y a des nourrissons, c'est vrai. Des tout petits bébés. Ma vie. Je vais me remettre un chtiopeux. Encore une chtiote. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah j'avais chopé. J'ai chopé le peton du bébé. L'objectif est de ramener un pied de bébé. C'est complètement stupide. Il y a une lentille qui va rentrer là-dedans. Oh là là. Oh là là, mais il y en a plein en plus. Oh là, comment je fais? Ok, on va aller là. Vous êtes repoussant, mon dieu. Non mais ralentis. Ralentis, putain. Voilà. Oh mon dieu. Ouais, c'est parfait. Ouais. Voilà. Et c'est parti. Alors je sais plus combien qu'il y a de zones comme ça, il me semble que ça doit être à la dernière là. Là ça doit être la dernière celle-là. Ouais c'est ça. C'est la dernière et puis après on se retrouve dehors. On affrontera le boss final. Isaac, tu y es presque. Remets ces passerelles en route pour déplacer le monolithe à travers cette zone. Cherche un poste de contrôle au fond du tunnel de maintenant. Eh mais ça va pas quoi. Oh non, y a la femme enceinte là-bas. Oh putain. Ça m'énerve. J'ai du mal à viser. En même temps, j'ai du mal à voir. Je suis Miro, J'ai des problèmes aux mains. Ah, il va mourir, oui, lui, avec sa queue là. Enfin, je sais à quoi vous pensez. Voilà. Je vais niquer ces bordels. Comment il évacue ces fœtus là? Imaginez les êtres humains, les femmes accoucheraient comme ça. Préparez-vous docteur, ça arrive. Oh mon dieu. Oh la vache. Il y en a plein. Tiens, puis en plus, mais c'est une mitraillette le mec quoi. Il pète comme ça, moi je fais son truc, voilà. Ok. Alors ça, les mecs comme ça, j'aime pas trop. Vous comprenez pourquoi? Voilà. Énergie plasma. Ah non, ça bouge. Ouais, non, je croyais avoir halluciné, mais non, ça bouge vraiment. Faut emmener le monolithe par là-bas. Donc il doit y avoir un truc ici. La carte. The map. Ah bah non, faut que j'aille là. Bon. D'abord, je vais vendre un peu ce que j'ai. Alors, oui.
Voilà, alors attendez, excusez-moi, hop là, c'est bon. J'ai même pas regardé, enfin, de toute façon je m'en fous de l'heure, en fait, de savoir combien de temps que je capture, puisque de toute façon j'arrêterai que lorsque le jeu sera fini. Je dis des choses et je les oublie. Alors, je vais vérifier là-bas, il y a des sortes de caisses. Énergie, oui, nickel. Tout ce que j'aime. Recharge de stase, bon bah ça... Ah, oh, mais t'es dégueulasse toi. Putain, et puis il m'a pété de la vie en plus. Le petit trou du cul. Oh. Ah oui d'accord, donc ça marche pas et à mon avis il faut que je descende en bas pour faire en sorte que ça marche. Ok. Allons-y. Oula, on annonce rien de bon là ce passage là. Entrée zone sans gravité. Voilà, déjà un. Voilà, excusez-moi. Je viens d'éternuer dans ma main. Ouh, il y en a partout. Non, je déconne. C'est chiant quand c'est en rond comme ça là. Putain, puis c'est pas pratique. Hein. Oh. Mais je fais comment pour passer ? Ah. Je ne croyais que ça marchait point. Et depuis tout à l'heure j'entends des monstres mais je sais pas où ils sont. En même temps ils... Dans ce truc là... Ah voilà. Un au moins. A mon avis ça va être leur tour qui va être marrant hein. En général, dès que tu actives un truc, enfin que tu fais un chemin et que tu es obligé de refaire le sens inverse pour revenir, c'est toujours rigolo. Ils mettent bien une petite horde de monstres, c'est marrant. Voilà. Le courant a été rétabli, je m'en réjouis. Alors là il veut pas mais qu'est-ce qu'il a putain. Oh là, bah, je suis... Ah mais c'est vraiment chiant. Allez. Oh mais les bêtes, je m'en contrefous, je me casse. Voyez-vous ? Voilà. Va être mignon, ouais c'est gentil. Oui, nous l'avons fait. Merde. Ah. Ouh là là, un skill de soin max. Il y a rien d'autre. Rhine. Bon, allons-y. Maintenant il va y avoir la tonne d'ennemis là. Zone sans gravité. Attention, mise en quarantaine. Oh putain, c'est même pas que plusieurs ennemis, c'est un gros. Oh la vache. T'es gros mon salaud. Viens là. Oh
Putain! Oh. Bouge pas, reste comme ça. Je te prends par derrière. T'aimes ça, hein? Il dit plus rien. Là, j'ai évité quand même presque un chargeur entier. Hein. Ah, il est mort, oui, c'est bien ce que je me disais. Non? Ah, si. Grosse merde. Quelle horreur, ses yeux. En tout cas, il a dû bien me baiser mon... Comment? Mes munitions. Ah, j'ai plus grand chose. Bon, en vie ça va encore. Je vais reprendre quelques munitions. Puis revendre ce que j'ai ramassé aussi en même temps, pourquoi pas. Et oh. Ouais, j'ai juste ça. Alors. Énergie plasma. Voilà. On a pas pu mettre un bouton du même côté. La petite musique là est très stressante. Je sais pas si vous entendez bien, mais avec le casque j'entends une très légère musique qui monte un peu en pression là, qui est super chiante. Qui fait bien monter en pression. Bon, ça y est, c'est parti. Bon, normalement on devrait se retrouver dehors. Si ma mémoire est bonne. S'il y a des foireuses comme d'hab, ça m'étonnerait même pas. Mon cerveau ressemble plutôt à un flambi, voyez-vous. Oui, bon, c'est ça, c'est toujours de la merde. Allez, c'est parti. Oh, là-bas, il y a un point de force. Bah, je vais faire le tour. Est-ce que je peux... Oh, les enfoirés. Ah, les salauds, ouais. Oh, mais je suis con, il y a un pont. Quel abruti je fais. Mais à mon avis, ça va être un piège. Ils ont mis un point de force là-bas, et puis ils ont dit comme ça, dès qu'il va y aller, hop, on va faire directement spawner des monstres. Oula, il est bizarre lui. Oula, c'est quoi ce menton là? Eh, c'est même pas un menton qu'il a le gars. Mon dieu, tu veux voir? Attends, regarde-moi. T'as une tête bizarre toi. Attends, assis-toi là. Voilà. On dirait une tête de fesse. Ah, y'en a plus. Hop, je t'écrabouille les deux. Voilà. Un peu moins chier. On peut aussi au passage. Hop là. Ah, point de force. Bon, j'en ai deux. Ah. La méga classe. Non, y a plus rien. Oh putain, c'est bizarre. Genre, il va même pas y avoir d'ennemis quoi. Une zone comme ça, toute saine. Bah ouais. Bah tant mieux, hein. J'ai pas me plaindre. J'ai plutôt être content. Bon, est-ce qu'on se retrouve dehors? Ça serait pas mal.
Peut-être, peut-être. Oui, on est dehors. Bah non, si. Si, si, on est dehors. Ouais. Waouh. Je me souvenais plus qu'il était si gros que ça, le monstre. Ok, ça me rassure pas du tout. Mon dieu, on va... Ça va être marrant. Je vais mourir plein de fois, je le sens. Ouais, bah, et en plus, il fournit cette tonne de munitions. C'est... Ça ne fait pas peur du tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Deux petites secondes, on frappe chez moi, je reviens tout de suite. Bon voilà, c'est la merde. Oui. Utilise ton soin, mais putain, j'en ai marre, ça me casse le cul. Oh là, comment on soigne déjà rapidement? Ah oui. Putain, mais il est où? Ah, il est là. Et gagner. Ça va encore. Voilà. Je savais que tu reviendrais. Nous ne sommes plus qu'un, Isaac. À jamais. Qu'est-ce qu'elle dit? Alerte d'urgence. Générateur de gravité inactif. Environnement instable. Impact imminent. Veuillez évacuer cette zone immédiatement. Je suppose qu'il faut aller par là. Non, même pas. Oh. Faut aller par où? Oh, je sais pas. Ok. Décontamination activée. Isaac,
C'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé de travers. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Si petite chose. C'est fini. Tout dépend de cette petite chose. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tant aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Oula. Je t'ai toujours aimé. Un shoot des roues. Toi t'es une vraie salope. Bon, je vais là-bas. Bah c'est pas la fin quoi. Cours. Ah, on va courir là-dessus. Bon, aussi ça doit être la fin, la petite musique de ouf. Ce serait sympa. On a de l'énergie. Cours. Ah bah je retourne. Hein? Je les avais défoncés les... Oh. Le bug. Non bah j'aurais pas de nouvelle tenue pour... Dans le cul. Voilà. Ah. Ah. Alors, Stars. Ça non. Bon bah tant qu'à faire hein. Voilà. De toute façon je peux même pas les vendre je crois. Alors là va falloir faire le blindage de munitions. Le kit de soins. Ouais. La stase, oh putain j'en ai plein. Je comprends. Ah c'est super. Ouais, ça va en munitions, mais je vais en racheter quand même, on sait jamais. Sinon c'est la fin du jeu, je m'en fous. Voilà, alors. Voilà. Ah non, je les ai vendus. Je suis con. Ah, c'est chiant. Putain, ça
Voilà. On n'est pas allé pour la guerre. Une petite sauvegarde et c'est parti. Voilà. Voilà. Faut qu'on aille bien. Je sais même plus comment faut le péter, donc on verra bien. Quoi que j'ai pris un crâne, c'est pas mal. Ah putain, ça me saoule. Allez, Regarde-moi. Oh.
putain, je peux pas esquiver. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Et voilà, c'est la fin de Dead Space avec le succès une arme en plus. Terminer le jeu en utilisant uniquement le cutter plasma, donc voilà, c'est fait. Ça fait un succès en plus, je sais même pas combien il me reste. Il me reste encore pas mal à faire, mais quand même. Et bien j'espère que ça vous aura plu, et puis bah comme je vous ai dit, bah, après Dead Space, bah, je vais rien faire, hein. Je vais continuer à finir les autres Wildhook, et puis voilà. Je sais pas si je ferai Dead Space 2 parce que je l'avais sur PC et puis à chaque fois il crachait au moment de mettre le deuxième CD, donc je ne sais pas. Je pense pas que je le ferai, mais je ferai sûrement le 3 quand il sortira, si on est encore vivant après la fin du monde. Donc on verra bien. Eh bien écoutez, merci à tous et puis à la prochaine. Ciao.